Je pars dans 10 minutes maintenant et on me signale sur vous. Voilà, voilà. Ça aussi, c'est l'ambiance du cyclisme. Hein. C'est bien, merci monsieur. Donc les listes sont...
peut-être maintenant. C'est l'extérieur qui arrive très rapidement. Rebecca assiste à un super final que tout canton et regardiste du prétend ici au niveau du 13e Grand Prix de Gentilly avec les demoiselles qui ont beaucoup d'ici à force de mourir avec la victoire du docteur numéro 26, victoire au sprint que Giorgia Brosini, l'italienne Rudolf Honda. Une fille d'expérience, je dis le président, Giorgia Brosini, de sa l'italienne Rudolf Honda, très belle victoire. Et pour la Brosini, a connu un très beau succès avec 177 participantes, 31 équipes engagées, près de 30 nationalités différentes. On a eu droit à un très beau sprint, parti de loin, un dernier virage décisif pour les demoiselles qui voulaient en découdre sur la ligne d'arrivée. Nous allons donc appeler les trois lauréates du jour que nous accueillons maintenant et je vous demande de l'applaudir. Elle faisait partie d'une des équipes qui s'est montrée particulièrement déterminée dans le final. Voilà donc Lucie Garner, troisième aujourd'hui au terme d'un sprint de toute beauté qui a assuré le spectacle dans ce final. Sur la deuxième marche de ce podium, elle portait le dossard numéro 46 représentant l'allée Cipollini, Shelley Halls. Shelley Halls, l'américaine de l'équipe Cipollini. Voilà, bravo. Congratulations. Et celle qui l'a emporté de très belle manière, on l'a vu, c'est une demoiselle d'expérience. Sauf erreur de ma part, c'est la deuxième fois qu'elle l'emporte à Dottini d'ailleurs. Je vous demande de l'applaudir et de la recevoir comme elle le mérite. Giorgia Brosini! Giorgia Brosini, ancienne championne du monde, comme en témoigne le liseré sur son maillot. Voilà donc, très beau podium, Lucie Garner, Shelley Halls et Giorgia Brosini. Voilà donc, le tiercé gagnant de cette troisième manche de la Lotto Cycling Cup. Voilà, on peut encore les applaudir évidemment, hein. Ils sont arrivés au terme des 134 km qui leur étaient proposés aujourd'hui, avec un vent dominant sur l'entièreté du parcours. Quelques cycling teams. Voici donc Jesse Dams qui l'a emporté de belle manière. Bravo, proficiat. Elle emporte donc le classement des monts pour cette compétition du jour. Voilà. Et bien sûr, nous appelons Malgorzata Jasinska de l'équipe ALE Cipollini également. Bravo, on peut l'applaudir. Particulièrement efficace au sprint, on l'a vu. Elle emporte les sprints intermédiaires de la journée. Céline Van Zeveren que nous demandons de nous rejoindre. Le maillot blanc qu'elle va pouvoir endosser maintenant. Lotto Bellisol, meilleur jeune sur une compétition du même nom, la Lotto. Meilleur jeune de l'année 93. Voilà, Céline, tu peux monter. Voilà, très bien. Voilà, on peut l'applaudir également. Puisque tout à l'heure c'était du jour et là c'est sur le classement général. Maillot bleu. On va avoir peur d'une demoiselle. Voilà donc, on peut l'applaudir. Elle emporte donc les Annelies Dom de Futurum Shop, équipe hollandaise. Bravo à Annelies Dom, Sophie De Weist. Voilà, qu'on peut applaudir également, c'est elle qui, pour l'instant, mène la danse de la Lotto Cycling Cup. Au terme des trois premières manches, eh bien, elle est pour l'instant la meilleure au niveau
du classement général récompensé par Monsieur De Belder de la Loto Loterie Nationale, qui sera entouré de Monsieur Gaden, bourgmestre d'Étainpuis, de Moucron, et de Monsieur Yves. Voilà, Monsieur le bourgmestre de Moucron. On retrouve donc Sophie Leweist, Annelise Dome, Jessie Dance, Céline Wanzeveren. Il y a également Giorgia Bronzini, Shelley Holtz, Lucie Garner et bien évidemment Malgorzata Jasinska. Voilà donc toutes les lauréates du jour, mais également du classement général de cette Loto Cycling Cup, 20e édition de la France.